Bonjour, Anouchka des ateliers de Hanou. Alors, aujourd'hui, nous sommes dimanche, le jour de la Pentecôte, et il fait un temps radieux sur Liège. Alors, c'est assez rare, on va dire, pour le dire, en tout cas, on a eu un printemps très, très ensoleillé. Aujourd'hui, il fait bon, je dirais même qu'il fait chaud, enfin chaud, c'est relatif. Fait 21 degrés, je pense. En tout cas, au soleil, un peu plus. Il y a un petit peu de vent, mais pas trop. Et surtout, le soleil est là. On n'a pas de nuages. Je ne veux pas dire pas du tout, mais quasiment pas du tout de nuages dans le ciel. C'est assez exceptionnel. Je ne sais pas si vous entendez les petits oiseaux chantent. Et c'est très agréable, même au plein centre de la ville, d'être sur la terrasse où j'ai vu sur les toits des voisins, en fait. Voilà. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vous montrer? C'est un petit mini. C'est un mini-mini, qu'on va dire, un mini de poche. Voilà, il est petit, je ne sais plus combien il était sur de hauteur, 14,5 de hauteur, sur 8, je pense, de large. Quelque chose comme ça, en tout cas, dans lequel j'ai rassemblé pas énormément de photos, une dizaine de photos, je crois qu'il y en a 7 qui sont collées. En fait, nous nous sommes réunis il n'y a pas tellement longtemps, en mars. Jour où il faisait bon aussi, vous allez voir, il y a une photo extérieure, je pense. C'est assez rare aussi, en mars. Entre deux jours de pluie, nous avons eu un jour de soleil. Et on s'est réunis à quelques copines où nous avons fait une journée où nous avons réalisé des cachets de cire toute la journée. C'est addictif, nous avons commencé en disant on va faire une demi-journée. Et finalement, on a fait ça toute la journée et on s'est super bien amusé. Donc il y avait des filles qui connaissaient moins bien, des copines qui connaissaient mieux. Et c'est vraiment une journée agréable de partage. Et voilà, c'est un petit peu les photos de mes copines, donc je vais vous montrer ici. Elles ne sont pas floutées, j'espère qu'elles ne m'en voudront pas. Et je vous montre tout ça en image. Voilà. Alors la couverture, je l'ai faite toute simple. Donc Max & Co, ben, il manque le Esperluette. Je me rends compte qu'il aurait dû être en dessous et je l'ai oublié de le mettre. Oui, c'est perdu, je ne sais pas. Je pense que j'ai oublié de le mettre. J'ai attaché, au départ je l'ai attaché avec un aimant, mais comme j'ai mis un peu beaucoup de photos dedans, l'aimant ne tenait plus. Donc j'ai simplement mis de la ficelle que j'ai mis autour. Évidemment, si je fais les nœuds, ça ne va pas aller. Hein. Voilà, donc je défais la ficelle. Hop. Et voilà comment elle s'ouvre. Donc une petite étiquette. J'ai réalisé l'album avec du papier de chez les Becs tout basiques de l'atelier de Karine. La collection Rainbow d'atelier de Karine. Les étiquettes de couleurs viennent de l'atelier de Karine. Les alphabets également. Donc il y a une planche jaune, une verte et une bleue. Qu'est-ce que j'ai encore utilisé? Oui, tous les petits textes, les petites étiquettes, par contre, ce sont des tampons. C'est un set de tampons plus d'ail de chez Sokai, que j'aime beaucoup parce que j'aime bien les étiquettes partout. L'album est très simple, vous allez voir le fil conducteur, c'est une photo, quelques petites étiquettes, et c'est tout parce qu'il est un peu étroit, donc ça ne va pas mettre grand-chose. Voilà, alors on commence. Alors ici, j'ai vraiment une pochette, j'aimais bien, j'aimais trop le transparent. L'acétate avec les petits mots. Il est une fois collection privée où j'ai mis simplement des photos. XOXO. J'ai mis simplement les fous rires parce qu'on a bien rigolé, la preuve. La table où nous étions à l'intérieur et je pense qu'il y a une photo de l'apéro à l'extérieur. Voilà, pour vous dire qu'il faisait bon. Et donc, j'ai mis juste quelques petites photos. J'aurais pas su en mettre plus, mais la poche était trop petite. Alors ça c'est moi. Voilà, on commence par moi. Donc vous voyez que la collection, c'est pas tous de moi, hein. On les avait un petit peu rassemblés. Voilà, j'ai mis des étiquettes. Les étiquettes c'est également ces tampons exclusifs d'atelier de Karine, ça, que j'ai utilisé avec les distress assortis aux couleurs de la collection de papier Rainbow. Et comme ça j'ai mis les étiquettes des jaunes, des roses, des verts, je pense un peu des couleurs. Voilà, donc c'est tout simple, inspiration du jour. Là, c'est notre hôtesse de la journée, Chantal, avec aussi ces étiquettes, ces petites choses qui font belle la vie, parce que franchement, on a eu sourire cette journée. Alors ici, c'est la photo, the photo, on est toutes, sauf Chantal, c'est elle qui prend la photo du haut, donc là, c'est son mari. De la magie dans l'air, du bonheur, c'est vraiment ça, c'est une toute petite photo, mais voilà, que j'ai maté deux fois pour qu'elle ressorte mieux sur la petite page. Alors, on va aller voir au milieu. Notre ami Michel, joie et douceur, merci, parce qu'en fait elle revient de France et nous la rencontrons à chaque occasion quand elle revient. Nous avons Véronique, time to relax, que du bonheur, avec sa petite création qu'elle nous montre. Donc c'est très simple en fait, c'est sur le même principe, je mate la photo, voilà, profiter de ce moment parfait. Toujours les petites étiquettes à gauche et à droite.
Notre amie Sylviane, avec la grosse poubelle devant elle, voilà, je vous montre un peu mieux. Claire, flagrant délit de joie, une belle journée, parce qu'on a bien rigolé avec elle. Ici, j'ai remis les petits... allez, comment on appelle ça? Les papiers cadres de la collection. Et ici derrière, j'ai simplement collé une photo sur la photo de la plante que j'entends avec de la gentillesse d'avoir mis sur notre table extérieure. Et je la trouvais tellement jolie que voilà, je voulais la remettre dans le fond. Et là, nous sommes toutes représentées une fois dans l'album. Donc je replie dans quel sens, voilà, hop, hop, et ça se referme. Et évidemment, je ne pouvais pas terminer l'album sans mettre un seau, puisque c'était le thème de notre journée. Donc j'ai mis le seau XOXO de la collection de Did It Yourself et compagnie. Voilà, je le referme. Et voilà un petit album. Alors, cet album-ci, je n'ai pas fait de tuto. Ben non, parfois j'oublie. Hein. J'ai pas pris le temps de le faire. J'avais commencé à faire les photos, puis j'ai toujours en panne de GSM. Bref, des petites galères. Alors, par contre, je vais vous proposer en atelier. Alors, je ne sais pas encore quand. Ce sera dans le courant mois de juin ou dans le courant de l'été. Parce que je dois me faire opérer et donc ça va dépendre de l'opération. Mais je saurai quoi le 31 mai, donc la semaine prochaine. Et je vous mettrai forcément ensuite les dates de l'atelier. Donc ce sera un album facile à faire en 3 heures. Cette petite photo, on peut facilement le réaliser. Et voilà, vous pourrez choisir le papier de votre choix. Je vais prendre celui-là. On verra à ce moment-là. Voilà, j'espère que ça vous plaît, que ça vous inspire. À bientôt, au revoir.